baisse de la fréquentation en magasin, les commerçants le constatent eux-mêmes. Cette première semaine de solde n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. Pas facile cette année, vu les événements dramatiques que nous avons rencontrés nationalement, qui ont fait que les clients ont déserté un petit peu les centres-villes. On a perdu 20% de clientèle. Les gens n'étaient pas dans l'optique, on va dire, solde. Donc c'est vrai que les soldes étaient un peu plus difficiles que d'habitude. Un démarrage un peu trop calme donc. Et en effet, l'actualité a eu une influence sur le comportement de certains acheteurs. Faire les soldes pendant les événements, Madeleine n'avait pas la tête à ça. Disons que j'étais un peu concentrée par tout ce qui se passait dans l'actualité. J'avais pas trop envie. À présent, retour peu à peu à une fréquentation normale qui laisse espérer aux commerçants le rattrapage du manque à gagner des premiers jours. Cette année, il y a une semaine de supplémentaire par rapport aux autres années, donc ça se verra plus sur la longueur. Je pense qu'après, il faut établir un diagnostic à la fin des soldes, hein, puisque bon, cette semaine, on retrouve un passage équivalent aux autres années. Et donc, on commence tout doucement à revoir un petit peu les clients qui reviennent. Voilà. Donc, on espère que là, on est parti aujourd'hui pour la deuxième démarque. Donc on a une démarque supplémentaire qui vient sur les soldes et donc les clients commencent à revenir. Retour à la normale donc. Et avec des soldes qui ont commencé au ralenti, il reste encore le choix. Peut-être plus pour très longtemps.